Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Oh, on est enfermé dans la voiture. Ah, c'est bon, j'ai fermé les portes. Tu le vois ou pas? Je le vois pas. Il nous a suivis ou pas? Bah, à mon avis, vu les bruits qu'on... Attends, il est là. Ouvrez-moi. Bougez. Bougez d'ici. On veut plus vous voir. La fenêtre, elle est ouverte. Ferme la fenêtre. Mais je peux pas la fermer, j'ai pas les clés de la voiture. Mais comment ça, t'as pas les clés? Bah non, j'ai pas les clés de la voiture. Aïe, aïe, aïe. On est foutu, il va rentrer dans la voiture. Oh là 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 là. Et on a laissé Lily Rose toute seule en haut. Tant pis pour elle. Comment on va faire? Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que nous. Là, il faut que vous restiez avec nous. C'est quoi ça? Non, lâchez-nous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Restez avec nous jusqu'au bout pour nous soutenir. C'est une catastrophe. La main. Il a sa main. Non. Arrêtez, 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 arrêtez ça tout de suite, arrêtez ça, vite, il faut que j'aille dans le coffre, il est où mon téléphone, il est où mon téléphone, c'est bon, je l'ai, attends, je vais essayer d'appeler Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose, allô Lily Rose, ouais surtout pars pas de ta chambre, reste dans ta chambre, ferme tout à clé, et surtout bouge pas, on a, il a failli attraper la caméra. Il a failli... Regardez-moi ça. Donne-moi ça. Non, vous aurez rien. Reste enfermé dans ta chambre et surtout bouge pas. Ah, la chambre. Bon. Y vais. Non, n'y allez pas. N'y allez pas. Y vais. Oh non, il part. Oh non. Il a entendu. Oh non, il a entendu ce que j'ai dit. Ça tombe, il va aller dans la chambre de Lily Rose. Ça va tant mieux, hein. Comme ça on est tranquille. Mais non, mais... T'as rien compris. Bon, on va vous expliquer ce qui est en train de se passer, les amis. C'est une catastrophe. En gros, chez nous, on entend des bruits bizarres. Vous savez, pour ceux qui sont abonnés, ben vas-y, on peut sortir. Il est parti. On va s'enfuir de la voiture parce que quand on est ici, il peut nous attraper facilement. Bon, en gros, je vous explique. Vous savez que notre maison, elle est hantée. C'est même pas qu'elle est hantée, c'est que tous les jours, il se passe des trucs incroyables dans notre maison. Toutes les nuits, on entend des bruits. Toutes les nuits, il y a des gens qui nous regardent par la fenêtre. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et là, depuis hier soir, il y a Sirenhead dans notre maison. Pour ceux qui ne connaissent pas Sirenhead, c'est un monstre. C'est un monstre métallique qui est énorme. Il fait au moins 3-4 mètres. Ouais, et en gros, il fait très très peur aussi. Ouais, il fait très très peur. C'est un monstre qui fait très très peur. Il est tout en fer. Et son but, en gros, c'est de nous attraper et de nous emmener avec lui dans la forêt. Enfin bref, ça fait ultra flipper. Et là, depuis hier soir, on entend Sirenhead chez nous. Du coup... Bon, viens, viens, oui, va raconter. En même temps, faut que j'aille sauver Lily Rose. En gros... Non. Vite, là. Non, vite. Viens ici, toi. Non, 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 non. Vite, dans le coffre, dans le coffre. Attends, dans le coffre. Attends. Non, je reste dans le coffre. Ferme, ferme, ferme. Ferme le coffre. Ferme le coffre. Il m'a laissé dans le coffre. Au moins, ici, je suis en sécurité. Bon, je vais continuer à vous expliquer. Restez bien avec moi, les amis. Ça va, Valentin? Ouais, ça va, je suis au-dessus. Ça va? Attends. Je vais sortir par là. Je suis ça, ici. Ça va, Valentin? Ouais. Ah, c'est bon. Ça va? Bah, j'ai eu peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est dans la voiture. Normalement, il va nous laisser tranquille. Ouais. Bon, écoutez, les amis. Du coup, on a vu Sirenhead depuis hier soir chez nous. Et on s'est dit, il faut qu'on appelle des gens pour nous débarrasser de Sirenhead. J'ai trouvé un numéro de téléphone sur internet d'un mec qui... Enfin, de quelqu'un qui nous a dit « Ouais, je connais très bien Sirenhead, je peux vous débarrasser de Sirenhead, je suis habitué à débarrasser les gens de Sirenhead, tout ça. » Donc j'ai appelé, la personne est venue, et c'est ce fou là que vous avez vu. Et depuis qu'il est arrivé chez nous, il nous aide pas du tout à nous débarrasser de Sirenhead, au contraire. Ah, j'ai cassé la voiture. Ah, attends, vas-y, je sors. Regardez, j'ai cassé la voiture, là, j'ai tout mis par terre. Bon, vas-y, sors. Il faut qu'on aille sauver Lily Rose maintenant. Ah, hop. Elle peut pas se débrouiller toute seule. On remet tout ici. Bah non, elle peut pas se débrouiller toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce fou, là, qu'on a vu? Donc lui, il est censé nous débarrasser de Sirenhead. T'as vu ce qu'il a fait? Il a cru qu'on était... Il y a lumière. On se retrouve dans le noir. Bon, allez, viens. Il va pas nous débarrasser de Sirenhead du tout. Il cherche juste à nous attraper pour nous embêter et pour nous pourrir la vie. Bon, allez, viens. On va dans la chambre de Lily Rose. Oh, regardez le chat. Ça va, le chat? Ça va? Bon, pour lui, tout va toujours bien. Il s'en fiche de Sirenhead, il s'en fiche de tout. Attends. Regarde dans le jardin.
C'est Sirened. Mais oui. Oh, c'est une catastrophe. Donc on a Sirened et le fou. Oui, donc maintenant on a Sirened, on a le fou, on a les fantômes qui viennent toutes les nuits dans notre maison. On a toutes les pires trucs qui puissent arriver. Lily Rose, t'es là? Lily Rose, ferme la porte à clé. T'as entendu? Ferme la porte à clé. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le fou, je pense. Ferme la porte à clé. La clé, elle est où? Ferme la porte. Mais de quoi la clé? Elle est où? Normalement la clé, elle est. Ah! Bougez d'ici. Tiens la porte. Lily Rose, t'es là? Lily Rose. Qu'est-ce que tu fais? Lily Rose, j'ai pas envie de jouer là, c'était ici, sors de ta cachette immédiatement. Le fou, il toque à la porte. Mais oui, je m'en fiche qu'il toque à la porte, le fou. Mais t'entends pas, il va ouvrir la porte. Mais tiens, pas la, tiens la porte. Mais j'ai pas beaucoup de force. Lily Rose, t'es là? Elle est pas là, je sais pas où elle s'est cachée. Partez d'ici. Partez d'ici tout de suite. Tiens la porte. Attends, je t'aide à la tenir. Bon, écoutez, je sais pas comment on va faire, mais là on se retrouve avec des fantômes dans notre maison qui toutes les nuits font des bruits, avec Sirened, et maintenant il y a un fou comme ça qui est censé nous débarrasser de tous nos problèmes, mais qui en crée plein. Bon, sors d'ici. Sirened, c'est mon ami. Ouais, Sirened, c'est ton ami, mais je m'en fiche. Attends, t'as entendu ce qu'il a dit? Mon ami, il a dit. Sirened, c'est mon ami. C'est ce qu'il a dit là. Attends. Ça veut dire qu'on s'est fait piéger. On n'a pas du tout appelé quelqu'un qui veut se débarrasser de Sirened. C'est quelqu'un qui l'a. Au contraire, attiré, hein. On a appelé quelqu'un qui va aider Sirened à rester ici. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Eh oh! Vous avez tout compris. Par d'ici. Ben oui, on a tout compris. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, en fait, depuis le début, tu veux nous attraper. Oui. Mais on s'en fiche de toi. Le vrai. Lâche-moi. Lâche-nous. On est chats. Tu vas rien prendre du tout. Écoute, et Sirened, ça fait des années qu'il vient chez nous, même dans notre ancienne maison. Il venait, Sirened. Alors c'est pas toi qui va nous faire peur, même si t'es l'ami de Sirened. Il n'a jamais réussi à vous attraper. Stop. Bon, écoute. Je vais utiliser un truc très simple. Tu sais, sur mon téléphone, j'ai une application pour voir tous les fantômes. Hop, regardez les amis. J'ai une application, ouais, bien sûr, ça sert à rien. Cette application, elle est très utile, elle marche très bien. N'importe quoi, ça marche pas ton truc. Ouais, bien sûr, ça marche pas. Regardez-moi ça. Attendez, j'ai une application. Voilà, attendez, un fantôme. Incroyable. Attends, c'est bizarre, ça en capte... Ça en capte un ici. Ici. Attendez, il est là. Il y a un fantôme ici. Ok. Ça va pas m'aider à grand chose. Bah oui. Non. Parce que de toute façon, un fantôme, on le voit pas. Il est censé être là, mais on le voit pas. Là, la priorité, c'est de se débarrasser de ce fou et se débarrasser de Sirened. Et après, le fantôme... Bon, allez, pars d'ici. Comment t'as peur? Pars d'ici. Sinon, on va appeler la police. Hein. Bon. Ah, Sirened est toujours dans le jardin. Ah, Sirened est toujours là-bas. Écoutez, Sirened est toujours là-bas, je peux pas faire grand-chose. Bon allez, aide-moi, je suis en train de... Toi, on va te mettre dehors, et ensuite on va mettre dehors Sirened. Allez, dehors. Bon, dans l'ordre des priorités, se débarrasser de ce fou, ensuite faire partir Sirened, et ensuite faire partir les fantômes. Bon bah ça nous fait beaucoup de travail. Non, allez, dehors. Tu viens ici. Tu vas pas m'impressionner longtemps, mais je m'en fiche que tu sois un ami de Sirened ou pas, mais tu vas déguerpir le plus vite possible. Allez, Valentin, ouvre-lui la porte. Hop, allez, dehors maintenant. Dehors. Voilà, ferme la porte, doucement. Hop, voilà. On est tranquille. Écoute, lui, on s'en est débarrassé. Maintenant, Sirened. Ça va être le plus dur, lui. Pourquoi il est pas dans le jardin? Qu'est-ce que c'est que ça? Il était là. Il y a encore 30 secondes, il était là. Il est peut-être parti avec le... C'est quoi ce truc? Sirened? Sirened? Oh, c'est quoi ce truc? Regardez, il est plus là. Ah, à mon avis, comme son ami est parti, il est parti aussi. Bon, écoutez. Maintenant, on n'a plus qu'à se débarrasser des fantômes. Mais bon, ça va être une autre histoire. Je suis pas sûr qu'on filme tout ça. Bon, les amis, on va pas filmer la chasse aux fantômes. Là, on va appeler Lily Rose pour lui dire que le problème est réglé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que voir le fou, là, vous a plu. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. À la prochaine. Ciao.